l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, l'élève né des cancres, des crétins crasseux, en travaillant exclusivement que pour nous. Les marchands de bonnets d'âne étaient sur les genoux, étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées, au premier de la classe, elle promit un baiser pour de bon, un baiser libertin. Un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin, enfin bref, un patin. Aux pupitres alors, quelque chose changea. L'école buissonnière n'eut plus jamais un chat. Et les pauvres marchands de bonnets d'âne craquent, connurent tout à coup la faillite, le crack, la faillite, le crack. Lorsque le proviseur, à la fin de l'année, nous lut les résultats, il fut bien étonné. La maîtresse, elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellence ex aequo, d'excellence ex aequo. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis. Et comme elle embrassa 40 lauréats, jusqu'à une heure indue, la séance dura, la séance dura. Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile alors recteur d'académie. De l'école, en dépit de son beau palmarès, on chassa pour toujours notre chère maîtresse, notre chère maîtresse. Le cancre fit alors sa réapparition, le fort anthémereux devenu l'exception. À la fin de l'année suivante, quel fiasco, nous étions tous derniers de la classe ex aequo, de la classe ex aequo. À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe.